Bonjour et bienvenue chez Foodies Box. Je suis Noémie et pour le mois de janvier, nous avons une super box garnie. Donc dedans, nous avons des shiitakes de la marque Cook. Donc la particularité de ces champignons, c'est qu'ils poussent sur des chaînes. Donc il faut simplement les réhydrater et les agrémenter comme on le sent. Ensuite, nous avons un thé vert citron mangue du Chapelier Fou. Donc c'est vraiment un thé qui est très 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 aromatique. Et pour le coup, donc soit on peut le faire en infusion pour le boire et le déguster directement, mais moi je vais vous montrer qu'avec des desserts, on va pouvoir le faire infuser dans des préparations assez originales. Ce mois-ci, nous avons aussi les pâtes grecques grillées, donc de chez Super Sec. Donc ces pâtes-là sont particulières parce que c'est une spécialité en fait grecque. Et souvent en Grèce, ils le mangent eux avec des sauces tomates, mais nous on va l'agrémenter d'autres sauces à la française. On a ensuite, donc ça c'est un produit que j'apprécie particulièrement, donc c'est la fraise Sangha de chez V2G. Donc ça c'est vraiment un produit qui est vraiment très agréable parce qu'il est très fruité. Donc c'est des fraises en fait, des gros morceaux de fraises donc dans une sauce à la framboise. Et donc ça pour l'agrémenter, simplement le manger comme ça ou l'agrémenter en dessert sur des yaourts tout simplement, c'est juste une merveille. Ce mois-ci, nous avons aussi donc, une crème de réfort, donc un condiment qui vient du cope noir. Donc le réfort, en fait, c'est une racine qui va ressembler au goût un peu de wasabi, donc qui va ressembler aussi à la moutarde. Donc on peut l'agrémenter simplement avec des viandes ou avec des poissons aussi, et ça va donner un peu de piment à nos plats. Nous avons ensuite une crème de saumon, les Auréliades. Donc c'est une crème qu'on peut agrémenter sur des pâtes, sur des féculents, ou simplement la manger comme ça, c'est une merveille. Pour terminer notre boîte de janvier, nous avons comme ustensile une magnifique boule à thé. Donc super fashion, mais surtout, elle va nous être très utile pour ce produit de la box. Il ne vous reste plus qu'à cuisiner et à déguster les produits de la box de ce mois-ci. Retrouvez mes recettes sur notre page foodiesbox.com ou sur Facebook.